Salut à tous, bienvenue dans le journal de la bande dessinée. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Sylvie Roche et Olivier Granson pour leur superbe album qui s'appelle La Fée Assassine. Sylvie Roche, Olivier Granson, bonjour. Bonjour. Pour moi, c'est une grande chance d'avoir tous les deux parce que votre album La Fée Assassine est pour moi un grand coup de cœur. Là, ça, c'est chouette. C'est déjà la bonne nouvelle, ça. Oui, mais c'est vrai qu'en même temps, on est plongé dans une histoire de famille. Donc, on rencontre Fanny, au départ, qui est en prison. Elle est face à son avocat. Et en même temps, c'est là que le déroulement de l'histoire va commencer. Et c'est vrai que c'est une histoire qui, en même temps, qui est sombre et qui a des parties de joie. Mais et j'ai envie de savoir comment est-ce que vous avez fait pour travailler cette histoire-là. Au départ, je viens du monde médical, donc j'avais déjà beaucoup travaillé, j'espérais travailler sur la mère, l'enfant, les situations complexes entre l'un et l'autre. C'était un hobby, c'était pas un métier, c'était un simple hobby. Et puis finalement, je me suis prise au jeu, j'ai commencé à faire tout mon manuscrit. Et puis, je l'ai montré à Olivier, mais il m'a dit, oui, c'est bien, mais si tu ne le découpes pas en planche par planche, case par case, et si tu n'incorpores pas tes dialogues et tout, tu vas te faire prendre ton histoire par un dessinateur et tu vas être totalement à la merci du dessinateur. Mais ce n'était pas censé être Olivier le dessinateur. Il me disait ça juste pour me prévenir. Et donc, j'ai commencé alors à tout découper planche par planche, comme il m'avait dit. Et je lui ai remontré de nouveau ce scénario. Et là, il m'a dit, oui, là, ça commence à franchement m'intéresser. Voilà, ça, c'est un petit peu la genèse. Mais est-ce que vous deux, aussi bien Sylvie ou Olivier, est-ce que vous avez vécu une enfance comme ça où il y a une... Non, pas à ce point-là, en tout cas, heureusement. Ah oui. Non. Non, pas du tout. Non, c'est pas... Mais en tout cas, on laisse toujours quelque chose de soi dans l'écriture. Donc, c'est vrai que c'est retravaillé d'une certaine manière, c'est expliqué autrement. Mais c'est vrai qu'il y a des choses... Par exemple, pour prendre un simple exemple, celui du coiffeur, moi, j'avais une hantise enfant d'aller chez le coiffeur. Quand ma mère me disait « bon, on y va », c'était vraiment un très mauvais moment pour moi parce que j'avais toujours peur de ressortir justement avec une tête qui me convenait pas ou qui les cheveux trop courts ou comme un petit page ou des choses comme ça. Donc, à travers ce que je raconte, il y a une petite part qu'on peut retrouver effectivement chez moi, mais heureusement pas aussi dramatique, quoi. C'est vrai que c'est une aventure avec deux sœurs jumelles, avec en fait une maman qui est épouvantable, voire complètement ignoble. Et c'est vrai qu'en même temps, quand vous avez raconté votre histoire, aussi bien avec la douceur du dessin d'Olivier, qui est impressionnante, parce qu'en même temps, le texte est grave. Et je trouve que c'est impressionnant, Olivier, tu as donné un graphisme d'une souplesse et en même temps qui est une douceur par rapport à l'histoire. Mais la douceur, elle correspond aux jumelles qui, elles, sont dans l'innocence, et puis c'est le rapport à l'enfance. Et on aimait bien cette idée du contraste, justement. Le dessin ne devait pas rajouter une couche à la situation qui est quand même désastreuse. Et la douceur est vraiment le reflet de ce qui est au fond de l'âme de Fanny, qui est tout à fait le contraire de ce qu'on pourrait croire. Et l'histoire commence comme ça, quand Thibaut vient la voir au parloir et il est surpris, il dit « mais comment a-t-elle pu faire quelque chose en arriver là, quoi. Et, ouais, comment a-t-elle pu en arriver là et faire ce qu'elle a fait, qu'on ne dévoilera pas ?» Non. Mais on le sait dès le départ. Donc, c'est aussi ça la construction de Sylvie. Elle a construit son histoire. Elle savait dès le départ qu'elle allait nommer, disons, la personne qui a commis le crime. On allait savoir qui c'est. Et tout le jeu, c'est basé sur les circonstances atténuantes et de savoir mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Le pourquoi. Le pourquoi est plus important que le qui. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est impressionnant parce que votre histoire, d'un moment, ça fait un peu penser à des contes de fées, parce qu'il y a des flashbacks par rapport à ça, où on se plonge aussi bien avec la méchante de Blanche-Neige. Et c'est vrai que c'est impressionnant parce que c'est vrai que la maman est affreuse avec une des deux filles. Et c'est vrai que c'est horrible la vie qu'elles ont, aussi bien à la maison que la vie de tous les jours. Mm-hmm. Mais, oui,
En fait, elle n'est pas spécialement horrible avec une des deux. Elle se prend, elle joue un peu de ça. C'est-à-dire, elle est horrible en fait avec les deux parce que bon, si, finalement, quand il se passe des choses, elles souffrent toutes les deux. Les deux enfants souffrent identiquement puisqu'elles s'aiment énormément et qu'elles sont hyper fusionnelles. Donc quelque part, elle n'essaye pas vraiment d'être plus méchante avec l'une que l'autre, mais elle joue de ça pour arriver à déclencher des choses qui sont effectivement très, très dures, encore plus quand on est jumelle sans doute, et qu'on se dit, ben, ma sœur, c'est mon égale, et finalement, elle essaye de tout faire pour les séparer, quoi. Mais donc, elles en souffrent toutes les deux. Mais c'est vrai qu'en même temps, on a envie de dire, dans cette histoire, elles sont pareilles dans la bonne famille, parce qu'on voit aussi bien l'oncle qui aurait rêvé d'avoir des enfants avec ma la tante Polly, et c'est vrai que c'est un peu leur... Ouais, c'est un peu leur île, c'est un peu leur moment de bonheur quand ils passent en fait en famille avec l'oncle, la tante. Et justement, je reviens aussi sur le conte, c'est avec Polly, avec la tante, qu'elles vont découvrir aussi le monde des contes de fées, ce côté plus positif. Et moi, j'ai tout de suite senti dans le manuscrit de Sylvie ce côté conte moderne. Et il y avait évidemment dans le scénario ce moment où elle raconte l'histoire, surtout de Bambi, je crois que c'est son histoire préférée. Oui. Et donc moi j'en ai profité pour mettre l'accent sur la référence au conte. C'est une manière aussi d'amener le lecteur à se replonger dans sa propre enfance et les moments où on a eu tous un rapport au conte, à ce qui était horrible, à vouloir savoir comment se raconte une histoire qui peut aller vers la sorcière ou vers un empoisonnement. Et dans La Fée Assassine, c'est ça que le titre est connecté évidemment à cette idée, on a ce contraste entre ces moments qui sont des moments parfaits, de totale symbiose, ces moments de joie, de bonheur, quand elles partent en vacances notamment avec l'oncle et la tante et qu'elles peuvent chanter dans la voiture, et puis les moments où qui basculent dans la noirceur. Et ce contraste, évidemment, est donné par cette double page où on voit la marâtre, la fausse maman, enfin la reine dans Blanche-Neige. Mais c'est vrai que c'est pour moi, c'est une écriture qui est profonde, parce que quand on le lit, on peut se mettre à la place des jumelles. Et si l'histoire comme ça nous est passée en étant enfant, on se dit on n'est pas seul. C'est-à-dire que ça peut en même temps, ça peut peut-être bien sûr, à part la fin, mais en même temps, on peut dire que ça peut nous aider à nous relever. Mm-hmm. Mais je me rends compte maintenant, comme on a quand même fait quelques séances de dédicaces, que pas mal de gens viennent vers moi en me disant « Oh, cette mère, elle me fait penser à ma mère, ou ma belle-mère, ou ma grand-mère. » Donc, effectivement, on peut s'identifier à ce personnage, même si on ne l'aime pas, c'est normal, puisqu'elle n'est pas très agréable, mais elle est, entre guillemets, humaine. C'est quand même quelqu'un qu'on pourrait se dire « Je pourrais avoir rencontré cette personne dans ma vie, ou mon voisin peut très bien avoir connu cette personne. » Parce que malgré tout, elle a des blessures, des déchirures elle-même, et elle les transmet finalement sur ses filles volontairement ou involontairement, parce que finalement, elle est tellement en souffrance qu'elle ne peut faire que donner de la souffrance au lieu de donner de l'amour, quoi. Et pour moi, c'est un roman graphique qui est tellement parfait, en fait, voir votre harmonie aussi bien au scénario qu'au dessin. Est-ce que vous auriez envie de faire, je dirais pas une suite, mais disons, de se dire, voilà, on repart sur une histoire ensemble? Ah oui, enfin, oui, c'est le cri du cœur. Sûrement pas une suite, parce que pour moi, l'affaire, elle est réglée avec cet album. Je n'ai pas à ce qu'il y ait des suites à ceci. Maintenant, par contre, j'ai déjà écrit un nouveau scénario avec des coupages et faits et tout. Olivier, il aime beaucoup aussi ce scénario-là. Très différent. Une approche qui est moins noire que La Fée Assassine. Oui, mais en même temps, il avait d'autres projets qu'il est en train de mettre en avant pour l'instant. Et donc, je ne peux pas, comme il dit, me l'accaparer, malheureusement. J'aimerais bien, mais c'est dommage. Mais j'attends que le public lui demande à cri et à corps qu'il reste avec moi. Ce serait merveilleux. Le public, et depuis que l'album est sorti, le retour qu'on a des journalistes et même des lecteurs, c'est clair que
le duo a marqué les esprits. Et c'est vrai que tout le monde nous demande ben, quand vous remettez le couvert. Donc voilà, j'avance sur le projet que j'ai écrit il y a maintenant 7-8 ans et que je voulais réaliser, je voulais le mettre sur papier. Donc je travaille sur ce projet-là que j'avais repoussé pour terminer Coda, pour faire le 13 Mystery et que j'avais repoussé pour faire La Fée Assassine. Donc ce sera aussi un roman graphique qui sera complètement différent, dans un ancrage plus historique, mais oui, je ne peux plus maintenant passer à côté d'une nouvelle collaboration. C'est vrai que ça a été... Ça, c'est une bonne nouvelle. Je l'ai déjà dit... Oui, mais c'est presque un scoop quand même. Je l'ai déjà dit sur une télé, et donc maintenant, je ne peux plus revenir en arrière. Et donc, oui, on va remettre le couvert, d'autant plus que j'ai lu son prochain manuscrit, qui a un personnage qui est fabuleux. Une petite fille de nouveau, enfin une fille de 13 ans. Donc on se rapproche de l'adolescence et du passage de l'enfance à l'adolescence qui me plaît beaucoup. Et aussi l'idée que je vais pouvoir encore me projeter dans des personnages féminins. Et ça, c'était quelque chose d'intéressant dans La Fée Assassine parce que c'est vraiment, bon, il y a les jumelles, il y a le rapport mère-fille. Et c'est intéressant pour moi en tant qu'homme de me mettre dans la peau des filles, dans la peau des jumelles, dans la peau de la mère, de voir aussi comment elle peut exprimer à travers sa haine, comment elle peut exprimer ses blessures et comment on peut les dévoiler par le dessin. C'est vraiment une approche qui est intéressante. Et alors, il y a un truc qui était aussi intéressant dans ce bouquin, c'est parce que moi, je le voyais aussi sur la thématique du duo, du couple, de l'alter ego. Et évidemment, c'est ça, comment on peut vivre ensemble et pourtant être deux êtres complètement séparés. Et c'est un peu ce qu'on a vécu, nous, en travaillant sur cet album, en mêlant le dessin et l'image, mais comment les deux se mêlent pour finalement faire quelque chose qui n'est ni la personnalité de Sylvie Roche, ni la personnalité d'Olivier Grenson. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va encore travailler, je pense. Ben, je vous remercie beaucoup de nous avoir accordé du temps, c'était super gentil. Bah, nous aussi, merci à toi. Alors, merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. On te remercie, Paul. À bientôt. Merci beaucoup. À tout bientôt. Au revoir. Ouais, ciao. I will take you far away.